Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince William, on va parler de ses enfants, on va parler du prince Harry et de Archie. Comme vous le savez, le prince Harry et Meghan Markle ont déménagé et se sont installés aux États-Unis, emmenant avec eux leurs enfants, des enfants qui auraient pu être proches des trois enfants du couple Cambridge, le nouveau prince et la princesse de Galles. Je parle de Charlotte, je parle de lui et je parle de George. Donc, on aurait pu penser que le couple, en restant en Angleterre, aurait été proche d'eux, enfin, en tout cas, les enfants auraient été proches, mais ce n'est pas le cas. Le prince William compte maintenant, enfin, compter sur Zara Phillips, la fille de la princesse Anne, et ses enfants comme copains de jeu pour les siens. Pour George, Charlotte et lui. Donc, il se trouve que maintenant, Zara Phillips, la fille de la princesse Anne, et son mari Mike Tyndall sont en train de considérer déménager en Australie. Ça a toujours été le souhait du couple, hein, mais ils sont restés en Angleterre parce qu'ils avaient des obligations pour les enfants et aussi pour aider de temps en temps la famille royale et être auprès de la princesse Anne. Aujourd'hui, on apprend qu'ils risquent de déménager en Australie. Donc, s'ils le font, quels autres membres de famille royale seront proches des petits Georges? Sachant que le frère de Zara Phillips a deux filles, mais ces deux filles sont déjà âgées. Et je crois que le prince William ne les apprécie pas autant qu'il appréciait la famille de Zara Phillips. Donc, ce qui reste alors, ce sont les enfants Middleton. Et vu qu'ils ont tous déménagé à Windsor, ça sera maintenant possible pour ceux-ci de se voir. Sachant que la princesse Zara était très proche du prince William et leurs enfants aussi. On les voyait de temps en temps aller jouer dans les parcs lorsque ceux-ci vivaient encore à Londres, à Kensington Palace. Ils allaient jouer dans les parcs. On voyait le prince William porter ses petites cousines et on voyait les enfants de Zara Phillips rigoler avec le petit George et avec Charlotte. Donc maintenant que c'est terminé, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils seront que proches de la famille Middleton. Ils ne seront plus proches de la famille royale. Hein. Je parle des enfants de, comme je disais, Zara Phillips, de son frère. Et voilà, ce cordon est coupé avec la famille royale. Le prince William appartient définitivement à la famille Middleton parce que ce seront eux qui seront plus proches pour les enfants. Et certains disent que c'est bien dommage parce qu'ils n'auront plus de famille proche du côté royal. Vous voyez ce que je veux dire? Contrairement à la reine d'Angleterre qui a été très proche de ses cousins royaux, des princes et princesses royaux, ça ne sera pas le cas du petit George qui sera plutôt proche des autres. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.